Pluto, Dagon, Daon, Déo, Thoas, Épi, Néas, Écastol, Décimal, Ménaï, Thor, Mer, Dormoyo, Médrinato, Soukou, Dé, Lugéro, Tarpétaï, Ota, Aquilos, Néaï, Filou, Étarou, Ménéménos, Moulé, Ni, Urnos, Réveil, Pantanator, Al, Estefès, Eta, Kai, Enta, Patroclou, Podéon, Andromeda, Ti, Kai, Ménos, E, Et, Oposa, Teleposé, Sud, Oto, Kai, Paten, Agea, Andron, Té, Tremus, Ageana, Té, Kumata, Péron. La société est éparpillée. Pour songer au point des vivailles, du doux sommeil qui les attendait. Seul Achille pleurait, se souvenant de son cher compagnon, et, repelle à l'indomptable sommeil, se tournait d'un côté, puis de l'autre, regrettant le courage et la noble vigueur de Patrocle, et les chevaux des douleurs, avec lui déroulées et souffertes, à travers les combats de guerriers et la mer douloureuse. Se souvenant, il venait à verser abondance de larmes, quelquefois couché sur le flanc, quelquefois au contraire sur le dos, d'autres fois sur le vent, ou le long de la rive, il se levait pour errer éperdu sans manquer une seule fois l'aube naissant au-dessus de la mer et des côtes. Après avoir achevé d'atteler ses chevaux pieds rapides, il attacha Corse à l'arrière de son véhicule et le traînait trois fois autour du tombeau de Patrocle. Puis retournait dans sa baraque, laissant le cadavre contre terre gisant. Apollon, protégé des outrages, et sa chair et sa peau remplies de pitié pour cet homme, même mort. Il le recouvrait tout entier de l'égide, d'or, de peur qu'Achille, entraînant son corps, ne l'écorche. Le Péléide outrageait Hector divin dans sa rage, mais les dieux bienheureux s'émurent enfin du spectacle. Ils poussèrent Hermès à dérober la dépouille. Tous approuvaient le projet, or Héra, vénérable déesse, or Poséidon le farouche et la Vierge aux yeux de chouette. Il gardait en haine Ilios la sainte et le peuple de Priam à cause de l'égarement d'Alexandre qui, dans sa bergerie, avait injurié les déesses, choisissant celle qui lui donnait la luxure de l'anse. Lorsque parut, à compter de ce jour, l'aurore douzième, Apollon Phoebos harangua la troupe mortelle. Dieux odieux et vils, jamais Hector, pour vous plaire, la domptille de cuisse de bœuf ou de chèvre parfaite, vous n'osez pas sauver celui qui n'est plus qu'un cadavre, pour que le voit enfin son épouse, son fils, et sa mère, et son père, et son peuple, pour que le voit enfin, s'il le brûlerait vite, sur un bûcher, puis accomplirait les rites funèbres. Dieu, vous voulez venir en aide au maudit Achille, qui ne possède ni cœur sensé, ni pensée flexible, dans sa poitrine. Comme un lion, il n'agit qu'en sauvage. Lion asservi à sa grande force, à son âme farouche, attaquant les brebis des mortels par désir de ripaille. Ainsi, Achille perd la pitié, ignore la honte, cette honte qui ruine ou favorise les hommes. We must undoubtedly lose one day the one we love, his son, his brother from his same mother. But he stopped after months and years. And during his heart that the memories get to the mass. Endurant est le cœur que les moires donnèrent à l'homme. Oh mon divin Hector, il a pris une vie précieuse. De son char, il le traîne autour du tombeau de Patrocle. Mais ne se montre guère ni plus valeureux ni plus brave. Tout farouche qu'il est, nous pourrions nous fâcher contre Achille. Il ne le malmène dans sa fureur qu'une terre stupide. Tacque e irata, Gugnon così risponde. Certo la d'Acille è una bilancia dell'onor dei forsi, e così piace ai nummi. Se dell'empia, orre dell'arco, il tuo discorso, ma di madre mortale Ettore il figlio, e do mortal poppa allattò. Divino germe il pellide, e io la nurità la diva. Sua madre io stessa li educava, e sposa la concessi a Peleo, diretto ai nummi.
voi tutti scendi, quelle scendeste a queste nozze. O tu medesimo, o disleal compagno dei malvagi, toccaste allora la certa, e misto agli archi banchettaste allegro. Ce courant Hera lui dit la déesse en main blanche, dieu de l'art argent qui sera en droit de le dire si vous dotiez d'un égal honneur Hector et Achille. Mais Hector, mortel, a tété le sein d'une femme quand Achille fut enfanté par Tétis la divine, que j'ai nourri, choyé, puis donné pour épouse à un homme appelé. Si cher au cœur des yeux qui me meurent tous, vous étiez à la noce olympien et parmi les convives, traites-tu, festoyé, perfide en rappelant ta cithare. Zeus, l'assembleur de nuées, lui dit alors en réponse. Ne va pas, Héra, provoquer la troupe immortelle. Ils n'auront pas le même rang, mais Hector était l'homme que les dieux préféraient de tous les mortels de la ville, et moi aussi. C'est qu'il n'oubliait pas mes 12 offrandes, et jamais mon hôtel n'a manqué d'une part équitable, libation ou fumée, car ce lieu est notre partage. Abandonnons, puisque c'est impossible, l'idée de soustraire aux Péléides, en cachette, le fier Hector, car sa mère vient à son chevet la nuit et le jour sans relâche. Et qu'on invite Tétis à venir devant moi, toute proche, que je lui dise un mot profond, de sorte qu'Achille prenne les dons de Priam et délivre Hector en échange. Alors ils disent beaucoup. Mésagère, fille de tempête, dans le détroit qui sépare Samos et Imbros la rocheuse, perçant le sombre fond. Un bruit retentit dans les eaux, tout semblable à un trou. Elle plongeait au fond de l'abîme lorsque le plomb, attaché à la corne de vache agreste, fonce et s'en va porter la pierre au poisson carnivore. Elle trouva Tétis au creux d'une grotte. Autour d'elle se tenait la déesse marine. Tétis, juste au centre, pleurait le sort de son fils, qui devait guérir son reproche, loin du pays de ses pères, périr en fertile Troade. عند إقدام عاصفة من الريح على شاطئ البحر تقدمت إيريس إلى أمام خلف تيتيس لمواجهة عاصفات أمواج البحر. Elle s'enfuit par devant, Iris au pied de Bourras, guidait Tétis, devant elle s'ouvrait la vague marine. ثم وصلوا إلى الفضاء السماوي. Elle bordant sur la rive, elle gagnait l'espace céleste. فوجدوا زوس حول كرونيد جلست جميع الإله المباركة. Elles trouvèrent Zeus, large voix, autour de Cronide. Étaient assis tous les dieux bienheureux qui sont et qui furent. Elle s'assit, Athéna s'écartant, près de Zeus notre père. Héra lui mit en main une coupe d'or magnifique, la cajolant de mots. Elle but, lui rendit la coupe. Alors le père des dieux et des hommes prit la parole. Tu es venu sur l'Olympe, Tétis, malgré ta souffrance. Car ton deuil est sans oubli. Je le sais en moi-même. Je te dirai toutefois pourquoi j'ai voulu que tu viennes. Voilà 9 jours qu'est née chez les immortels la discorde sur le cadavre d'Hector, sur Achille brise-muraille. Il voudrait envoyer Hermès dérober la dépouille. Moi, cependant, j'en réserve la gloire à nul autre qu'Achille, pour me préserver ton respect et aussi ta tendresse. Va rejoindre ton fils au camp, donne-lui mes consignes. Dis les dieux indignés contre Achille et plus que les autres dieux immortels moi-même, furieux que dans sa conduite, j'ai restitué Hector qui redoute ma force. J'enverrai la déesse qui guide ses pierres magnifiques pour qu'il délivre son fils en venant au nef Athènes et qu'il comble Achille de dons qui réchauffent son âme. Δεν πτυχείς και που μνήκα τα ρωσέβλο, κάνω πως άπομε, ούτσι ότου αν είναι κάτω και ολύμπη. Alors Tétis, au pied d'Argan, loin d'enfreindre son ordre, s'élança, quitta le front escarpé de l'Olympe. De Bilocher, à la tour d'Achille, il vala le épée. Elle gagna la baraque, trouva le pays tout secoué de sanglots. Autour, l'Est et les Sarchères. Autour, ses compagnons d'armes. Activement, c'est mon pépoutia, Hacherin Techal. Activement s'affairer, préparer le repas avec zèle. D'un mouton gras laineux, il faisait le sacrifice. Il vint s'asseoir près de lui, sa mère vaillante, et lui pressant la main, l'appela, lui dit ces paroles. Jusqu'à quand, mon enfant, accablé par le deuil et les plaintes, rongeras-tu ton cœur? Sans te rappeler ni la table ni le lit. Il est bon pourtant de s'unir par tendresse à une femme, si bref, tu sais, et la vie qui te reste. Déjà s'approche de toi la mort et la moire cruelle. Comprends-moi vite, je suis en fait l'envoyé du Cronide. Zeus est les dieux indignés contre toi, et plus que les autres dieux immortels. Lui-même furieux que dans ta rancune tu exposes Hector près des barques cornues, sans le rendre. Délivre-le maintenant,
et reçoit la rançon du cadavre. Il lui dit en retour, Achille, gardez Pierre. C'est qu'un mélève à l'échgate, le gars a dépouillé. Soit, qui me portera la rançon, prendra la dépouille. J'ai nous la pierre de couronne résolvide, d'Alumad Elmej. Attends, tous deux douches, le peuple du navire, fuir et amagne. Ainsi, tous deux, le peuple du navire, le fils et la mère. Nous d'être proposé, vous n'allez pas où, à Sparab. Échanger des propos, donner l'envol aux paroles. Zeus, envie ou Iris, nous rade de Iris, Mila San. Zeus, envoyé Iris, Iridios, Iris. Pars rapide Iris, et quittant le séjour de Lola, va dans Ilios, annoncer à Priam Magnani. Qu'il rachète son fils en partant pour une nef aguerrière, et qu'il comble Achille de dons, qui réchauffe son âme, seul sans que nul guerrier croyant ne lui fasse une escorte. Le courage suivre qu'un dieu héros conduise mule ou carriole au bon bout, afin qu'il ramène vers la ville ce grand aussi par le divin Achille. Que surtout ni la mort ni la peur n'effleurent son âme, car puissant est le guide que nous lui mandons, l'argifonde, qui l'acheminera jusqu'à parvenir chez Achille. Quand cependant il aura guidé jusqu'à la baraque, alors Achille le protégera de lui-même et des autres. Comme il ne saurait être insensé, impie ou inepte, il prendra soin d'épargner le suppliant qu'il implore. Alors Iris bondit, messagère au pied de tempête. Elle s'enfuit chez Priam, n'y trouva que les cris et les larmes. Dans la cour assis, les fils autour de leur père, mouillés de pleurs leurs vêtements. Le vieillard juste sang disparaissait, roulé dans son manteau, et de merde en épaisse rouge couvrait sa tête et sa nuque. Se roulant par terre, il l'avait amassé de ses paumes. Dans le palais se lamentaient ses bruits et ses filles. Elle se souvenait des guerriers vaillants, innombrables, qui gisaient, privés de leur vie par les coups des argiles. La messagère de Zeus, tout près de Priam, à voix basse, lui parla, tandis qu'un frisson se saisit de ses membres. Oh, Dardanide Priam! D'abord, prends courage et des craintes. Je ne viens pas ici te porter un présage funeste, mais de bonnes pensées. Je suis l'envoyé d'Icronide, qui, même loin de toi, se soucie de ton sort et s'inquiète. Va délivrer le divin Hector, c'est Zeus qui l'ordonne. Va combler Achille de dons qui réchauffe son âme, seul, sans que nul guerrier troyen ne te fasse une escorte. Ne pourra te suivre qu'un vieux héros qui conduise mule, carillon aux bonnes roues, afin qu'il ramène à la ville le corps obsédé par le divin Achille. Que surtout, ni la mort ni la peur n'effleure ton âme, car puissant est le guide qu'il t'a mandé, l'argifonce, qui t'acheminera jusqu'à parvenir chez Achille. Quand cependant il t'aura guidé jusqu'à la baraque, alors Achille te protégera de lui-même et des autres. Comme il ne saurait être insensé, impie ou inepte, il prendra soin d'épargner le suppliant qu'il implore. Elle se tue et partit, Iris, déité pyraclite. Équipé de Priam, il donne alors à ses fils d'atteler la bonne carriole et les mules, et sur la carriole, la caisse. Et lui-même monta dans sa chambre de cèdre odorante, élevée, qui contenait des trésors innombrables. Il appela son épouse Hécube et lui dit ces paroles. Zeus, malheureuse, m'envoie un messager de l'Olympe. Pour délivrer mon fils, j'irai jusqu'au nef Achéenne. J'y porterai pour Achille des dons qui réchauffent son âme. Mais dis-moi tout d'abord, quelles sont les pensées de ton âme? Car une ardeur, une envie à nul autre pareil, me presse d'aller là-bas jusqu'au nef dans la vaste foule achéenne. Il se tue, sa femme gémit et lui dit ces paroles. Aïe malheur, où s'en va la raison qui faisait ta gloire chez les étrangers, chez tes hommes rangés sous ton cercle? Comment veux-tu te rendre seul au nef achéenne, devant les yeux de l'homme par qui tes fils intrépides furent aussi nombreux? C'est un cœur de fer qui t'habite. S'il s'empare de toi, s'il te voit de ses propres prunelles, le déloyal, le cruel, il n'éprouvera dans son âme ni pitié ni respect. Pleurons-le, hélas, à distance, restons assis au palais. Ainsi la mort puissante lui fila ce destin. Quand je l'enfantais dans ce monde de rassasiés, les chiens agiles, loin de ses pères, chez un guerrier violent, ah, puissais-je moi-même le mordre et lui ronger le foie, ce serait le seul acte qui venge mon enfant, qui n'a fait preuve d'aucune bassesse, mais qui pour tous les Troyens et Troyennes, robe profonde, s'est dressé sans daigner ni fuir ni chercher un refuge. C'était un autre mortel qui me donne cet ordre, pour que demain il fasse un sacrifice ou un prêtre. Nous n'y verrions que mensonge et nous tiendrions à distance. J'ai moi-même vu le duc, je l'ai vu face à face. J'irai, ses mots ne seront pas vains.
Si le lot qui m'incombe est de mourir au faisceau des Argiens cuirasses de bronze, je le veux. Pour me cacher, il vient de m'oxyre quand je traînerai mon fils, apaisant mes sanglots et mes larmes. Puis il ouvrit ses coffres, leva les riches couverts, il en sortit de très belles robes au nombre de 12. 12 manteaux simples, 12 pièces de laine, 12 copons de lin blanc, et là-dessus autant de tuiles. Il pesa 10 talents d'or, puis emporta cette masse, 2 trépieds flamboyants, des chaudrons au nombre de 4. Et une coupe très fine, qui lui donnèrent les traces, lors d'une ambassade trésor infini. Non, pas même cette coupe il n'épargna. De toute son âme, il voulait racheter son fils. Il se chassait de son porche. Les Troyens, les injurions, outrageant de parole. Ah, scélérat, infâme. Chez vous, pas assez de larmes que vous veniez me fatiguer de vos condoléances. Enviez-vous les douleurs que me donne Zeus le Cronide en me perdant mon fils? Vous ferez cet apprentissage. Pour les Achéens, vous serez une proie plus facile à massacrer maintenant qu'il est mort. Hélas, que ne puis-je avant de voir de mes yeux ma vie livrée au massacre, au saccage, les cendres infernales de mort. En parlant, il est harcelé du bâton, il sévère à l'impatience du dieu, à ses fils, il lance des semences violentes et les morts, le divin Agathon, Alexandre, Antiphonos, Pamon, Polyte, Voiteronan, Véhiphob et Hippotos, et Dios, vénérable à ses maîtres et veilleurs à présent. Dépêchez-vous, mon fils, ma honte, au navire rapide à la place Hector, que êtes-vous morts tous ensemble? Moi, le malheur est sur moi. J'engendrai dans la vaste Troie les plus vaillants des fils. Pas un, je le dis, n'aimerait. L'égal des dieux, Nestor, Troïl, meneur de cavale, et Hector qui s'en est un dieu dans la foule des hommes. Et non pas d'issue de mortels, mais de race divine. Voilà ce que m'a pris Arès. Ne me reste des lâches, des menteurs, des danseurs glorieux, conducteurs de la ronde, et sur leur propre sol, des voleurs d'agneaux et de chèvres. N'irez-vous pas atteler mon cher le plus vite possible et me charger de tous ces présents afin que je parte? Erschwig. Und sie vom schilternden Rufe des Vater geschreckt, trugen den Mut rollenden Karren, einen wunderschönen und neuen verdübelten Maulerkarren. Sie wurden den Kopf, nahmen dann das Jahr der Mauler vom Flocke ab. Ein mit Bücken erheutes Jahr auf. Aus Bürgswamm durch die Zügel in Schienen gleiten. Ein neun Ellen langes Band machte das Gepan fest. Et eux, redoutant les semences d'un père, amenaient la carriole au bon roux, charamules, cheviers de neuf magnifiques, ils lièrent la caisse, puis ils décrochèrent du clou le joug pour les mules. Joug de bois, à bosse, par où colissent les guides, une longe de neuf coudées, accrochées l'attelage. Den Bügel, sie wollten sie dann fest und prüfen mussten die Schlinge. Son extrémité fut fixée au timon de bois lisse et l'anneau à son tour fut fixé sur la bonne cheville. Ils passèrent trois fois la longe autour de la bosse, firent des nœuds et vers le bas incurvèrent les nœuds. Allez-vous. De la chambre, ils allaient à la carriole parfaite, portant le prix de la tête d'Hector. Rançons innombrables. Hicieron las mulas de tiro de fuertes cascos, que en otro tiempo habían regalado los misios a Priamo como extendido presente. Ils attelaient les mules sous harnais, saborus, qu'à Priam les misiens offrirent, cadeau magnifique. Y acercaron al yugo dos corceles, a los cuales el anciano en persona daba de comer en un inventado becerro. Les ateliers de chouvre de Priam, ce que le vieilleur avait lui-même nourri et soigné dans les stalles parfaites. Mientras el heraldo de Priamo prudente chambos, uncían los caballos en el alto palacio, acercóseles el cubo, con ánimo abatido, llevando en su diestra una copa de oro.
llena de dulce vino para que hicieran la libación antes de partir. Le héros et Priam attelés dans la haute demeure s'affairent tous les deux en gardant des pensées prévoyantes. Alors, Hécube se rapprocha, le cœur à la peine. Elle tenait de sa main droite le vin de l'âme, dans une coupe d'or pour les libations de voyage. Elle vint devant le char et lança ses paroles. Verse une libation à Zeus père, puis qu'il t'accorde de rentrer du camp adverse, puisqu'au navire te conduit ton cœur, et cela malgré ton épouse. Mais ensuite, implore Zeus au sombre nuage, Zeus de Lida, qui surveille la terre de Troie tout entière. Demande-lui l'oiseau, messager, aux ailes rapides, qui lui est le plus cher et dont la force est suprême. Volant à droite, afin qu'après l'avoir vu, tu te rends en confiance au vaisseau des Argiens, dompteurs de pouliches. S'il te refuse son messager, le chronide qui t'aide ne saurait t'encourager pour ma part à te rendre au vaisseau des Argiens, malgré tout le désir de ton âme. Il lui répondit, Priam, à l'allure divine. Femme, je ne saurais dédaigner ton désir. Il est juste, en levant les bras, d'implorer la pitié du chronide. Il se tut. Le vieux Priam incita la servante à lui verser sur les mains de l'eau limpide. Et la femme s'approcha, portant l'eau des ablutions dans l'aiguillère. Il se lava, puis reçut la coupe des mains de sa femme. Il l'implora du milieu de l'enclos, versa le breuvage en regardant vers le ciel et prononça ces paroles. Zeus régna sur Lida, le très haut, très glorieux notre père. Donne-moi d'obtenir amitié et pitié chez Achille. Accorde-moi l'oiseau, messager aux ailes rapides, celui qui t'est le plus cher et dont la force est suprême. Volant à droite, afin qu'après l'avoir vu, je me rende en confiance au vaisseau des Argiens, dans le temps de pluie. Il priait, et Zeus, dieu de ruse, entendit sa prière. Il fit paraître un aigle, le plus parfait des présages, le chasseur des aigles, l'aigle noir ainsi que la terre. As big in his height house in the door of a rich man locked a robust closer, as big were opening on each side its two wings. Aussi grande dans sa haute demeure est la porte d'un homme riche, garnie d'un verrou fermeture robuste. Aussi grande s'ouvrait de chaque côté ses deux ailes. Flying to the right, he melted on the city and those who saw him felt the joy, the heat in their soul. Volant à droite, il fondit sur la ville et ceux qui le virent ressentirent la joie, la chaleur dans leur cœur, dans leur âme. The old man climbed on his chariot, embarking in haste. Le vieillard monta sur son char, s'embarqua à la hâte. He led him out of all way and porch sonore. Il le mena hors du vestibule et du porche sonore. In front, the mules were pulling the carriole. Devant, les mules tiraient sur leurs quatre roues la carriole. Idaios on their four wheels. Idaios, le sage, les conduisait, et derrière venait le char. The wheels led him, and behind came the chariot. Priam souhaitait mener l'attelage rapidement par la ville. All his relatives followed, grinning as if death inviting him to travel. Tous ses proches suivirent en gémissant comme si la mort le conviait au voyage. Lorsqu'ils furent sortis de la ville, arrivés dans la plaine, tous firent demi-tour pour rejoindre Ilios, ville abrupte, gendre et fils. Les deux hommes qui cheminaient par la plaine n'échappaient pas à Zeus. Ils s'éveillaient de voir le vieil homme et s'adressant à Hermès, son fils, lui dit ces paroles. Je apprécie Hermès davantage que toute autre chose, la compagnie et à qui te plaît, tu prêtes oreille. Pars et accompagne Priam jusqu'aux creuses carènes des Achéens, pour qu'il ne soit ni vu ni perçu de personne. Des Danaïens, avant qu'il ne soit parvenu chez Achille. Loin enfin de son orbe, le messager Argifonde aussitôt lacé à ses pieds ses sandales splendides, immortelles, d'or, qui le soulevaient sur les vagues et sur la terre infinie, l'emportant sous le souffle des brises. Il saisit son rameau qui séduit la prunelle des hommes quand il le veut, ou réveille au contraire ceux qui sommeillent. Le brandissant, il s'envola le fort Argifonde. Il parvint aussitôt sur l'Hellespont, en Troade, où il prit l'aspect d'un jeune homme aimant la justice, d'un garçon duveteux entrant dans la fleur de son âge. Ils longeaient le grand Obodinos, le passèrent,
puis arrêtèrent chevaux et mules qui firent boire à la rivière. Sur la terre tombaient les ténèbres. Le héros, distinguant Hermès, qui soudain, tout proche, apparaissait, se tourna vers Priam et lui dit ces paroles. « Attention, Dardanide, il faut une âme attentive. J'aperçois un homme, il va nous auxilier, je pense. Vite, allons, fuyons sur le chat. Ou alors, à l'inverse, supplions-le, touchant ses genoux afin qu'il se meuve. » L'esprit du vieux était bouleversé, sa peur effroyable. Sur son corps voûté, ses poils d'un coup se dressèrent. Il se figea, stupéfait. Le bienfaisant en personne prit sa main et l'interrogeant lui dit ses paroles. Où t'en vas-tu, petit père, mener tes chevaux et tes mules par la nuit d'Ambroisie, à l'heure où dorment les hommes? Tu ne crains pas les Achéens, débordant de courage, qui sont tes ennemis, tes adversaires tout proches? Si l'un d'eux te voyait par la nuit rapide, noiraude, apporter tant de trésors, qu'espères-tu dans ton âme? Tu n'es pas jeune toi-même, et c'est un vieillard qui t'escorte pour écarter qui dirigera contre toi son attaque. Je ne te veux aucun mal. Je préférerais te défendre contre un autre. Je trouve en toi les traits de mon père. Il répondit, le vieux Priam, à l'allure divine, il en va tout ainsi, mon enfant, que tu le racontes, mais un dieu attendit sa main au-dessus de ma tête, puisqu'il envoie un voyageur tel que toi sur ma route. Si favorable, toi dont je vois la beauté, la stature et l'esprit prudent. Bienheureux les parents de tel homme. Ils lui dirent en réponse, le messager du fond. Tes paroles, vieillard, se conforment à l'ordre des choses. Mais si moi, ne prononce que paroles sages, portes-tu tes trésors nombreux, tes trésors magnifiques, chez un homme étranger pour ta face placard? Repentenez-vous dès ce jour, Ilios, ville sainte, prise de frayeur, si fort était ton fils quand la guerre l'emporta. Sa valeur égalait l'ardeur acquise. Il répondit, le vieux Priam à l'allure divine. Qui es-tu, l'ami? Et quels parents t'engendraient? Toi qui me comptes si bien le trépas de mon fils misérable. Il lui dit en réponse, le messager Argifonte. Sur le divin Hector, tu m'éprouves, vieillard et me sombre. Je l'ai vu souvent dans la guerre moissonne la gloire. De mes propres yeux, quand ils avançaient au navire et massacraient les Argiens, les tuant du trop chaud de son bronze, nous restions immobiles à l'admirer, car Achille nous défendait de combattre. Irrité qu'il était par la tride, je suis son écuyer, débarqué d'un navire robuste. Je suis du nombre de Myrmidons, Polyctor et mon père. C'est un riche, mais tout autant que toi, un vieil homme. Il a 6 autres fils et j'ai la place 7e. Désigné par le sort, j'ai dû venir sur ses rives. Je suis venu des navires jusqu'à la plaine, dès l'aube. Les Achéens aux yeux vifs combattront autour de la ville. Les Thracies les affligent, les rois de la foule achéenne ne retiennent plus leurs guerriers ardents de combattre. Il lui dit, le vieux Priam à l'allure divine, si t'es bien l'écuyer d'Achille Péléiade, dis-moi donc, point par point, la vérité tout entière. Mon fils est-il encore au vaisseau où Achille l'a acheminé puis offert à ses chiens en pâture? Il lui répondit, le messager d'Archifonte. Priam mangeait son cadavre. Non, et non. Repose auprès du navire d'Achille, dans sa baraque telle qu'elle. Voici le rang 12e, il est gisant, mais sa chair est intacte. Les vers ne le rongent pas, eux qui rongent pourtant les morts sur le champ de bataille. Ils le traînent autour du tombeau de son compagnon d'armes, ignominieusement qu'en point l'aurore divine, mais ne peut l'outrager. Si tu viens, tu verras par toi-même comme il gît. Baigné de rosée, sans aucune souillure, son sang lavé, puis toutes les plaies, les blessures ouvertes, faux fermées, beaucoup l'avaient transpercé de leur bronze. Ainsi, les dieux bienheureux se soucient de ton fils magnifique, tout cadavre qu'il est, parce qu'il était cher à leur âme. Il se tue. Le vieillard se réjouit, lui dit ses paroles. Mio figlio, è giusto da fare l'offerta agli mortalis. Ma mio figlio, si tento tempo fa. A casa abbiamo trascuro di Dio rimando sull'Olimpo. Mon enfant, il est bon de faire ce que je t'offrande aussi mortel. Car Samé, mon fils, si vécu d'un guerre, là c'est nous, néglissé, et Dieu s'est tournant sur l'Olimpo. Ils s'en sont souvenus, même après son heure fatale. Tiens, voici, reçois de moi cette coupe splendide. Fais mon salut, guide-moi, aide-moi, non, sans l'aide divine, à gagner la baraque d'Achille Péliade. Il lui répondit, le messager Argifonte. Je supplie, cher vieillard, tu m'éprouves sans me confondre, en m'incitant à prendre ta pression à cacher ta chute. Pour ma part, je fous toutes tes chats prendre en mon âme. Si je vole son pied,
que plus tard malheur ne me tienne. Mais si je suis escorté jusqu'à l'Arcos Glorios, en prenant soin de toi, sur la route ou importe un navire, nul ne t'assarrait en méprisant ton escorte. Le bienfaisant se tue, il bondit sur le char et en hâte, aussitôt ses mains se saisirent du fouet et des rênes. Il insufflait une vive ardeur aux chevaux et aux mules. Quand ils eurent atteint le fossé, le rempart des navires, ils aperçurent les sentinelles mangeant à leur poste. Sur tous les hommes, le bienveillant fit couler le somme. Aussitôt, il poussa la barre, ouvrit grande la porte, mena Priam et les dons précieux que portait la carriole. Quand ils eurent atteint la baraque du Péliade haute, les Myrmidons l'avaient bâtie pour leur maître. Ils avaient taillé des sapins et, en couverture d'une moisson dans un pré, avaient fait la toiture de chaume. Ils l'avaient flanquée d'une vaste cour. Pour leur maître, sainte de pieux serrés, ont fermé la porte avec une barre en sapin que trois Achéens installés à sa place. Grande voûte qu'à trois ont levée pour que s'ouvre la porte. Oui, à trois, seul Achille savait la placer de lui-même. Le bienfaisant Hermès ouvrit au vieillard cette porte, introduisit les cadeaux glorieux du prompt Péléade, puis sauta de son char à terre et dit ces paroles. Priam chez Achille. Il le trouva séparé des siens, servi par deux hommes, Automédon les héros, Alcimos rejetant Déniade. Il s'empressait près de lui, qui venait tout juste de prendre, sur la table encore dressée, nourriture et breuvage. Discrètement, le grand Priam s'avança et tout proche, prit dans ses mains les genoux d'Achille et baisa les robustes mains meurtrières qui lui tuèrent des fils innombrables. Comme un homme pris par la sourde égareuse assassine l'un de ses compatriotes et part en terre étrangère chez un riche. L'effroi saisit ceux qui l'aperçoivent, Achille ainsi s'effraya de Priam à l'allure divine. Et l'effroi les prit tous, ils se tournaient les uns vers les autres. Alors Priam, en le suppliant, lui dit ces paroles. Souviens-toi de ton père, Achille, divin visage. Vieillis comme moi sur le sol maudit de vieillesse, son entourage qui tourne de lui le harcèle. Et personne pour écarter conflits et désastres. Néanmoins, son cœur est en joie lorsqu'on lui raconte que tu vis, et chaque jour lui octroie l'espérance qu'il reverra son fils revenir de la ville troyenne. Tout le malheur est sur moi, j'engendrerai dans la vaste Troie les plus vaillants des fils, pas un, je le dis, ne me reste. J'en avais 50, quand vint la jeunesse achéenne. 11 m'étaient nés d'une seule et même matrice, car le reste me vint au palais de l'union d'autres femmes. Tous ont eu les genoux brisés sous Arès le Farouche. Il ne restait qu'un seul protecteur de la ville et du peuple. Tu l'as oxy l'autre jour alors qu'il luttait pour sa terre, lui Hector. C'est pour lui que je viens jusqu'au nef achéenne pour le délivrer, te portant la rançon innombrable. Sache obéir aux dieux, prends pitié, Achille, d'un homme, te souvenant de ton père. Pitié m'éduit davantage, car j'endure un sort que nul n'endura sur la terre. En approchant l'assassin de mon fils, de ses mains suppliantes. Il lui donna par ces mots le désir de pleurer sur son père. Prenant sa main, Achille écarta doucement le vieil homme. Tous deux se souvenaient, le premier, d'Hector, homicide, qu'il pleura lourdement, roulé aux chevilles d'Achille, tandis qu'Achille pleurait sur son père, et par intermittence, sur Patroche. Leur lamentation remplissait la baraque. Quand ils se furent assassiés de larmes, le divin Achille, quand l'envie eut quitté son ventre, et quittait ses membres, il se leva de son siège, releva le vieil homme, et sa tête chenue et sa barbe chenue le touchèrent. S'adressant à lui, il laissa s'envoler ses paroles. Ah malheureux, que de mots n'as-tu pas enduré dans ton âme, en osant venir au vaisseau achéen, solitaire, tous tes fils vaillants, c'est un cœur de fer qui t'anime. Mais allons, assis-toi sur ce trône. Laissons dans notre âme reposer les douleurs, si grande que soit la souffrance. On ne gagne rien à la lamentation glaciale. Ainsi, les dieux filèrent en fait aux hommes qui meurent une vie de souffrance, un souci qu'eux-mêmes ignorent. Mais il eut sa part de malheur. Le dieu lui refuse de laisser au palais une descendance vaillante. Il n'engendre qu'un fils au destin précoce, et moi-même. Sans soigner sa vieillesse, loin du pays de mon père, je suis assis devant Troie. Je t'afflige, toi et ta race. J'ai ouï, vieillard, ton grand bonheur de naguère, ton étendue partant en haut de Lesbos Lativine, juste ces jours de Macar, jusqu'à la Phrygie et l'immense Hellespont, ta richesse et tes fils l'emportaient sur tout autre.
Mais depuis que les dieux ouroniens t'ont porté ces misères, tu ne vois plus autour de tes murs que tuerie et massacre. Prends patience, ne gémis pas sans cesse en ton âme. Tu ne gagneras rien à pleurer ton fils davantage. Tu ne le sauveras pas. Je t'expose à d'autres souffrances. Il répondit le vieux Priam à l'allure divine. Ne me fais pas asseoir, nourrisson de Zeus, sur un trône. Tant qu'Hector restera sans soin, sous ton toit, au plus vite délivre-le. Que mes yeux le contemplent, reçoivent, innombrables la rançon que je porte. Accepte, profite et retourne au pays paternel. Non sans m'avoir laissé vivre, tout d'abord, et voir le soleil se lever. L'œil farouche, il lui dit. Achille, guerrier plus rapide. Non, vieillard, ne mérite plus. Je songe moi-même à délivrer Hector. De Zeus m'est venue messagère, celle qui m'enfanta, la fille du vieux de l'abîme. Et je comprends en mon cœur, Priam, j'en ai bien conscience, que l'un des dieux t'est conduit jusqu'aux embarcations achéennes. Aucun mortel n'oserait venir, même en pleine jeunesse, à notre camp, il n'aurait pas trompé les gardiens et la barre de notre porte. Il ne pourrait pas la défaire sans peine. Dans ma douleur, ne remue pas davantage mon âme. Ou même toi, vieillard, je ne t'admettrai pas dans ma hutte. Tout suppliant que tu es, et de Zeus violerait les consignes. À ces mots, le vieillard prit peur, obéit à ses ordres, tel un lion, assis sans feu d'un bond vers la porte. Pour sortir non pas seul, ses deux serviteurs le suivirent. Autour et donc, le héros, Aclimos, il était pour Achille ses compagnons préférés. Après, sans nul doute, Patroc, mort, il détonnait de leurs joues. Les chevaux et les mules faisaient entre le héros le bon crieur du vieil homme. L'installé sur un siège et sur la carole roubelle portait le prix de la tête d'Hector. La rançon innombrable. Il laissait deux pièces d'étoffe sur une bonne tunique pour en couvrir le corps à rapporter dans la ville. Il invita les captives à laver le corps et à loindre à l'écart pour le dérober au regard de son père, qui, le cœur affligé, ne pourrait réprimer quelque rage en voyant son fils, et rémurer l'âme d'Achille, qui le tuerait à son tour, et de Zeus violerait les consignes. Lorsqu'elle l'eurent lavé, pommadé du jus de l'olive et couvert d'un beau linceul, d'une fine tunique, alors Achille le mit sur un lit en le portant lui-même. Ses compagnons le placèrent sur la carriole luisante. Il invoqua, semble-t-on, le nom de son compagnon d'armes. Ne t'irrite pas trop, Patroc, si tu découvres dans ton séjour de l'Hadès que le divin Hector à son père fut rendu contre une rançon qui n'est pas infamante, je t'en donnerai pour toi une part convenable. Le divin Achille se tut, regagna sa baraque, contre le mur opposé se rassit sur son siège splendide, d'où il s'était levé, puis il dit à Priam ces paroles. Eh bien, ton fils t'est rendu, vieillard, selon ta demande. Il est couché sur un nid. Aux premières lueurs de l'aurore, tu le verras, le prendras. Soucions-nous du repas à cette heure. Aie du souci du pain. Niobé aux cheveux magnifiques, dont les 12 enfants, dans sa propre demeure, moururent. Ses 6 filles, ses 6 garçons, dans la fleur de leur âge. Avec l'arc d'argent, Apollon tua, par colère, contre Niobé, ses garçons, Artémis, Sagittaire. Ses filles, car Niobé s'égalait à Leto. Déité joue vermeil. Leto avait 2 enfants quand elle en avait un grand nombre. Mais ces deux-là, tous deux qu'ils étaient, auxirent les autres. Alors Achille rapide égorgea la brebis argentine. Ses compagnons la dépecèrent selon l'usage. Ils découpaient avec art, enfilaient les morceaux sur des broches, grillant le tout avec soin. Puis ôtèrent les mets de la flamme. Automédon prit le pain et le partagea sur la table, dans de belles corbeilles. Puis Achille la viande. La nourriture était prête. Ils tendirent les bras pour l'atteindre. Lorsqu'ils eurent chassé leur désir de manger et de boire, le Dardanide Priam resta fasciné par Achille, tout semblable aux dieux par la beauté, par la taille. Et Achille resta fasciné par Priam Dardanide, voyant sa noble apparence et recueillant ses paroles. Quand ils se furent réjouis de regarder l'un vers l'autre, et à Dardamzo alors. Il parla le premier. Priam Priam à l'allure divine. Tchriyat sar. Laisse-moi me coucher. Ayam koron Zeus. Ksertranen enzor. Nourrissons de Zeus, qu'au plus vite nous profitions. Antosetus l'alia. En nous endormant, du sommeil suave. Kteteo, akhlino, walikhara, teteo.
Sur mes yeux, je n'ai pas encore clos mes paupières. Depuis le jour où mon fils a perdu la vie sous ta lance, car sans arrêt, je gémis et rumine mes deuils innombrables. À travers l'enclos de la cour, nous roulons dans la merde. C'est aujourd'hui que je touche au pain. Que je laisse en ma gorge s'écouler le vent. Jusque-là, je ne pouvais rien prendre. Le Péléide ordonnait à ses compagnons et captifs d'installer sous le porche les lits et mettre de fines couvertures sur peau, d'étendre au-dessus des lénages et d'y poser. Du sang métisse, des robes épaisses, une torche à la main, les captifs sortaient de la salle. Elles s'empressèrent d'installer deux litières. Il dit, vieux Priam à l'allure. Si tu me laisses finir les obsèques d'Hector le Splendide, en agissant ainsi, tu auras ma reconnaissance. Ô Péléide, nous sommes bloqués dans les murs, la montagne touche le bois, et loin. Les Troyens s'effarouchent. Il nous faudrait le pleurer 9 jours dans notre demeure, l'enterrer le 10e et faire manger tous les hommes. Le 11e, nous construirons sur son corps une tombe. Le 12e, nous combattrons si c'est nécessaire. Il répondit le divin Achille rapide à la course. It will be respectable for him as you request. I will hold the battle as much as you others. At this word, he took the old man's hand, his right hand. By the will so that he do not fear anything in sorrow. They sleep at the entrance of the house in the vestibule. The hero and Priam in the deep peace. Will Achille sleep in the deep of the good house? Close to him come with his children. All night, God and man heard phone. Subdued, all tamed by suave sun. Seuls les mets bienfaisants étaient épargnés par le sol. Il cherchait dans son cœur comment faire quitter les abîmes au roi Priam en cachette des saintes sentinelles. Il se tint au-dessus de sa tête et lui dit ces paroles. Vieux, le malheur ne t'inquiète pas. À voir de quelle somme tu te relever chez les ennemis par la grâce d'Achille. Tu as payé pour ton fils le prix des dons innombrables. Puisque tu vis, ton rachat coûtera peut-être le triple à ses fils que tu laisses derrière toi. Si la tribu Agamemnon te savait ici et la foule Achéenne. Il se tut. Le vieillard prit peur et réveilla l'autre. Hermès attela les chevaux et les mules et leur fit traverser le camp à l'insu de tout garde. Lorsqu'ils eurent atteint le gain du prince, splendide, fleuve tourbillonnant, dont Zeus immortel est le père, Hermès partit alors vers les hauts sommets de l'Olympe. L'aurore au voile safran se répandit sur la grève. Ils dirigeaient vers Troie, dans les gémissements et les plaintes, leurs chevaux. Les mules portaient le mort et personne ne les reconnut. Hommes ou femmes à la fine ceinture, hors l'égal de l'Aphrodite, d'or, hors Cassandre, dont les yeux aperçurent de l'Acropole. Son père, droit sur son char, et le héros, bon crieur des ruelles et le mort, gisant sur son lit, porté par les mules. Venez voir, Hector, venez, Troyens et Troyennes, vous qui souvent devîtes rentrer vivant de la bataille, dans la joie, lui qui fit la joie de la ville et du peuple. À ces mots, plus personne qui resta dans la ville, homme ou femme, un deuil infini tomba sur la foule. Ils rencontrèrent le convoi funèbre non loin de la porte. Née première, sa chère femme et sa mère vaillante s'arrachaient les cheveux, pressant la carriole roubaine, lui touchant la tête, entourée par la foule pleurante. Tel, tout le long du jour, jusqu'à l'heure où l'astre se couche, ils auraient pu pleurer Hector,
sur le seuil de la porte. Ici, du haut de son char, le vieillard nous dit à son peuple. Voilà pourquoi le peuple le pleure à travers les ruelles. Tu désolas tes parents d'un deuil et de pleurs indicibles. Mon Hector, je n'aurais récolté que l'affreuse souffrance. Tu ne m'as pas, en mourant sur ta couche, tendu tes paumes. Tu ne m'as pas quitté sur un mot profond que sans trêve. J'évoquerai la nuit, le jour, au milieu de mes larmes. Elle parlait pleurante. À leur tour, les femmes gémirent. Hécube alors commença chez les femmes sa plainte profonde. Mes fils, le plus doux à mon âme, vivant encore, tu fus aimé des dieux qui ne meurent. Ils se soucient de toi, même après ton nom fatidique. Tous mes autres fils, Achille, guerrier pierre rapide, les vendaient captifs par-delà la mer infréquente. Assamos, Imbros, Lemnos, l'île hospitalière. Toi, il t'a pris la vie du long de son tranchant de bronze. Et t'a traîné mille fois autour du tombeau de Patrocle, que tu as tué sans que son compagnon pour autant se relève. Frais, tué, baigné de rosée, au palais tu reposes, semblable à ce qu'oxy Apollon à l'arc magnifique, lorsque ses douze flèches leur arrachent le souffle. Elle parlait pleurante et de naître une plainte insatiable. Hélène, alors, en troisième, lança chez les femmes sa plainte. Ô Hector, mon beau-frère, de tous les plus doux de mon âme, mon mari c'est Alexandre à l'allée au divin. Il m'a mené jusqu'à Troie, il eût mieux valu que je meure. Cela fait pour moi la vingtième année qui s'écoule depuis le jour où j'ai quitté le pays de mes pères. Jamais je n'ai entendu de ta bouche un reproche, une injure. Mais si quelqu'un d'autre au palais m'adressait des critiques, frère, sœur ou belle-sœur, au voile splendide ou sa mère, Priam fut toujours pour moi comme ma mère. Tu les retenais en les persuadant par des phrases, par ta propre douceur et par tes douces paroles. L'âme affligée, je pleure sur toi, puis sur moi, malheureuse. Plus personne d'autre envers moi dans ta vaste troade ne sera doux ou ami, car tous devant moi se hérissent. Elle parlait pleurante et le peuple gémit, innombrable. Le vieillard Priam adressa ses mots à la foule. Rapportez, Troyens, du bois à la ville. Sans craindre dans votre cœur l'embuscade rusée des Argiens, qui Rachide, me renvoyant des noirs vaisseaux, me donna l'assurance qu'il ne tenterait rien d'ici l'aurore douzième. À ces mots, ils attelèrent les bœufs et les mules au chariot et se rassemblèrent devant la ville. En 9 jours, ils rapportèrent du bois en pagaille. Lorsque parut la dixième aurore, lumière des hommes, ils transportèrent parmi les pleurs Hector le farouche. Ils placèrent le mort au sommet du bûcher, l'embrasèrent. Lorsque matinale, l'aurore parut, doigt de rose, ils s'assemblèrent autour du bûcher d'Hector, gloire immense. Quand ils se furent rassemblés, ils furent ensemble, ils étouffèrent d'abord le feu en versant le vin chaud, là où l'ardeur de la flamme avait saisi. Puis ses frères et ses amis recueillirent les os, brillantes reliques, en gémissant sur leurs joues coulaient les larmes nombreuses. Dans un coffre en or, ils déposèrent ses restes qu'ils avaient enveloppés de molles étoffes de peau. Ils placèrent le coffre au creux d'une tombe, laquelle fut à son tour recouverte de larges pierres compactes. Ils entassèrent la terre du tertre, postèrent des gardes pour prévenir les assauts des Argiens aux bonnes jambières. Le tombeau achevé, ils s'en revinrent. Pour l'heure, ils partageaient le repas festin glorieux, tous ensemble dans le palais de Priam, le roi nourrisson du chronique. Thank you.